Bonjour à tous et bienvenue dans Annales de Rôlistes, l'appel de Cthulhu, saison 2, deuxième semaine. Et j'aurais dû rajouter encore un sous-titre à la deuxième saison parce que ce serait encore plus ridicule et encore plus long. Mais je ne l'ai pas fait, donc voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Et on va commencer tout de suite par un fanart qu'on a reçu la semaine dernière. Il y en a aussi un deuxième qui avait été fait pendant live, qui était génial, qui représentait nos différents personnages. Mais je ne l'ai pas sauvegardé et il n'a pas été posté sur le forum, donc je ne l'ai pas récupéré. Donc en attendant, tout ce que vous avez, c'est ça. Oui, je suis désolé. Vous admettrez quand même que c'est assez, c'est tip top, hein. C'est vraiment pile poil. On remerciera évidemment Pierre pour avoir déguisé sa tête. Et je vous ai démute les autres. Bonsoir à Hola, tous. cabron! Et c'est non, non, c'est pas cette carte-là que vous voulez remettre. Non, puis voilà, celle-là. Donc oui, je te laisse faire l'intro, Tom. C'est qui toi? Pardon. Bonjour. Concitoyen, concitoyen, non. Je sais plus. D'habitude, c'est toi qui fais l'intro. C'est vache, tu m'as pris de Ouais! court. Ouais, mais c'est toi qui te souviens mieux, comme ça tu te fous en plus Oh, dans le le truc, dernier, quoi. enfin, Previously on the Call of Cthulhu. Le rêve d'une Donc, guerre, ils le rêve de étaient, toutes nos les guerres. aventuriers, fraîchement éclos de leur chrysalide, se retrouvaient à la maison Beachhead, je crois. Ouais, c'était bien ça. Non, mais j'ai inventé des noms, alors je suis un petit peu perturbé. Ils étaient donc à la maison Beachhead. Le jeune garçon Toby les avait déjà précédés et il était tombé sur ce qu'on pensait être son oncle, mais on n'était pas sûr parce que des ténèbres mystérieuses s'effondraient sur la maison et on était resté là. Alors que nos trois autres joyeux gaillards étaient arrivés le lendemain, avaient investigué le rez-de-chaussée de la maison, avaient trouvé pas mal de volets au premier étage fermés. Et Pepito avait donc voulu monter avec Mills au premier étage pour ouvrir les volets et ils étaient tombés sur un Quelque palier. chose. Et merci pour le geste, hein. Joue. Ça c'est Pierre. On le voit à sa tête, on le voit à ses mains occupées, c'est Pierre. Qui est en train de le passer de bien devant le truc, quoi. En fait, c'est pas son GSM, c'est un détecteur de métal et il essaie de voir s'il y a un truc dans sa bite. Non. Mercure. Ben, si, hein. Et donc, on était arrivé, on avait terminé sur un cliffhanger parce qu'en fait, il y avait notre flamand du Dans groupe toile, quoi. d'Antwerpen, Non, bah, Van de Meneer War. Van Waal, ya? Van de War. Van de Waal, excusez. Qui avait donc prêté un briquet à Mills, et Mills s'apprêtait à illuminer le palier. C'est ça. Qui se trouve encore sur le palier? Pepito. Il y avait Pepito dans mon souvenir qui était derrière moi. Voilà, et Et l'autre, le Monsieur flamand, il était Vandewall parti. Moi, est je suis resté en parti. bas, moi. Je suis resté Il au avait rez-de-chaussée. Ouais. fait un retrait stratégique. Et donc, tu allumes le briquet et dans la lumière vacillante, tu regardes par terre et tu vois en fait que, enfin, vous voyez tous les deux que vous êtes avec les pieds à cette lumière assez vacillante, une flaque sombre. Et alors que le tapis, c'est très énervant le GSM. Ah Surtout merde, c'est général moi. qui fait de la cavalerie, quoi. Et donc en fait le revêtement de l'escalier et du palier c'est du tapis comme dans les maisons de maître comme cela se doit et c'est clair et vous voyez vraiment qu'il y a une flaque sombre gluante visqueuse comme ça et il y a quelques petits objets qui sont à vos pieds. Qu'est-ce que vous faites? Mec, Pepito. Pepito. Si. Est-ce que tu vois les objets qui sont par terre là? On ne distingue pas bien, mais ça m'a l'air très glauque. Mec, ça sent la merde, mec. La merde, tu crois que c'est de la merde? Mec, On dirait qu'on marche chut, dans une Pepito, flaque. chut, Pepito, chut. L'OEC qui doit couler.
Je tiens la torche, mec, avec le briquet du flamand. J'allume, j'illumine. Je propose que tu regardes un petit peu ce qu'il y a par terre. C'est du sang, ça, ou c'est pas du sang? C'est quoi? C'est pas, j'y regarde. Donc Donc tu là, regardes de j'avance près, avec le et briquet. donc Pepito, toi tu vois en fait qu'il s'agit de trois molaires et on dirait une espèce de bulle comme un œuf mi-cuit. Et mon Dieu, c'est un œil éclaté. Alors tu me fais un géant. En sanité, en santé mentale. Le pauvre Toby, quoi. Il avait rien demandé. Et tu as raté. Tu perds un point de santé mentale. Parce que tu es choqué. Là. C'est... Oh mon Dieu, c'est des dents et c'est un œil. Un œil. Oh! Donc tu perds un point de santé mentale. Tu pourrais nous le faire le aïe aïe aïe, s'il te plaît. Oui, Bien. oui, oui. Aïe, aïe, caramba! Allez! Il croit que c'est un œil. C'est dégoûtant, carrément dégoûtant. Mais qu'est-ce que t'as vu, Carlos? C'est quoi, t'as vu un œil, quoi? Moi, j'ai vu, mais lui, il verra plus rien. C'est carrément un œil éclaté, c'est dégoûtant. On dirait qu'il a été mordu par une molaire. D'ailleurs, la dent est restée là sur place. Ok, moi je vois tout ça, je vois les dents, l'œil et tout ça. Oui, tu le vois aussi maintenant, mais comme tu n'avais pas vraiment le nez dessus, bah tu es pris d'un moment de révulsion comme ça, t'as un petit D'accord, haut de d'accord. cœur, mais tu perds rien, quoi. C'est juste un petit peu bah, t'as Ça la te fait rien. réalisation, Ça te fait rien, hein? mais tu Oui, mais t'es. toi tu avais le nez au-dessus et tu vois ce truc et bah, tu vois. C'est dégueulasse, mec. C'est quoi cette merde, mec? Quelqu'un a ramassé une mandale, c'est pas possible. Et là, très clairement, vous vous rendez compte que vous êtes dans une flaque de sang, quoi. Oui, et mes belles chaussures vont encore en prendre un maximum. Ton Yo. poncho. Carlos, là, au lieu d'en foutre partout, regarde peut-être s'il n'y a pas moyen de voir des empreintes, des traces. Il y a du sang ici un peu partout. Peut-être que quelqu'un a marché dedans et peut-être que quelqu'un aura laissé des traces. Et donc là, je m'avance près de lui avec toujours le briquet, histoire de voir si on voit quelque chose, un indice ou n'importe quoi, autour Et de la plage. Pepito, tu vois effectivement qu'il y a, une des empreintes taille 44 qui monte dans la lueur du briquet vers la pénombre du premier étage. Menez le Pepito, vous avez trouvé quelque chose là-haut? Qu'est-ce que c'était tous ces bruits que j'ai entendus? Peut-être vous avez trouvé. C'est quoi, pourquoi vous avez peur quelque chose? Menez! Oui, je t'entends, hein. Il n'y a pas la peine de crier. Hein. Et c'est juste que ce qu'on a trouvé n'est pas très agréable, c'est tout. Hein. Alors, On est en qu'est-ce. train de patauger dans une flaque de sang, si tu veux tous les détails, en trébuchant maladroitement sur un œil crevé et quelques molaires. Attendez, peut-être c'est pas une bonne idée d'aller plus loin. Moi, je vais appeler la police. Peut-être ils ont c'est peut-être le plus prudent d'appeler les forces de Arrête l'ordre. tout... Je t'arrête tout de suite. Si tu appelles la police, on va encore nous coffrer comme on a failli être coffré tout à l'heure. Bon, Alors c'est peut-être bon. toi, mais moi pas. Hein. Moi, j'ai pas à plaindre la police. Hein. Juste un moment. Je crois que sur le retour vers Twitch, il y a des grésillements. Grésillement, c'est-à-dire. Comme un hélicoptère ou bien un grésillement? J'ai dit? Comme un bruit d'hélicoptère ou comme des Non, grésillements? non, des petits grésillements. Je crois qu'il y a comme un faux contact, tu vois, quand un câble est mal branché ou que. Pas Encore de mal raison. branché, tout ça, bravo. Pas de raison. Non, t'avais pas dit que c'était fait par le programme, ça, et qu'on Ouais, pouvait mais rien y faire. quand c'est comme un Maintenant, je bruit l'ai plus. d'hélicoptère, si ça fait tac 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 tac. Est-ce que ça fait flop, flop, flop ou tac, tac, tac? Ah, attends, attends. Attends, ça vient de. C'est pas ça? Ou alors c'était peut-être parce que je me servais une bière. Est-ce que Non, je crois que dans c'est le plus chat, que tu te il y a grattais des dans le gens nez. Il faut qui arrêter veulent de te gratter passer? dans le nez.
Il y a les fils qui se touchent quand tu te grattes dans le nez. Bon, je sais pas ce que c'était. Si c'est des clac-clac-clac, c'est sans doute. C'est tac-tac-tac. C'est flop-flop-flop. Ah, à ce moment-là, c'est quand on. Par exemple, quand on parle, on entend un clac-clac-clac régulier, c'est un Non, un peu. tac-tac-tac. À ce moment-là, c'est le programme qui déconne, il faut juste attendre que ça passe. Redémarrer le stream, ça sert à rien. C'est une Voilà. perte de temps. Ah ben voilà. Redémarrer le string. Ok. Heureusement qu'on est sérieux. Voilà. Qu'est-ce que vous faites après ça? Non, je vais appeler la police. Mais non, on ne fait pas ça du tout, toi. On va encore se Bah ouais, mec, t'as faire pas encore compris que si les poulets arrivent ici, il va nous coffrer. coffrer. Peut-être vous, mais moi, je n'ai rien à craindre, hein, de la police. Hein. Moi, je vais Non, voir. Hein. Moi, je veux non. pas Mais t'entendre si on n'est ça. pas entre nous, t'auras à craindre de nous, ça c'est sûr. Mais Ça, c'est pas gentil. Hein. Moi, ça, je n'aime pas hein, il s'emmener le bébito. va, on se calme là. Chut, chut. Hey, Carlos, Flamouche, on se calme, le mec. Capito, moi. Hein? Il y a quelqu'un qui a visiblement eu passé un sale quart d'heure au-dessus, les gars. Il y a du sang, on patauge dedans et vous êtes là en train de vous engueuler parce qu'il va appeler les flics parce qu'il a les chocottes. Et toi, Pepito, tu veux quoi? Il n'y avait Qu'est-ce que rien tu du tout, veux? moi. Je veux surtout pas qu'on appelle les flics. Et je suis quelqu'un de respectable ici. Bah, tu n'as rien à craindre alors. Écoutez, je vais vous donner Ah, je n'ai rien à 5 craindre. J'ai les doigts pleins de sang et j'ai les chaussures pleines de sang. 20 Et je n'ai rien à minutes, craindre. Manel. 20 minutes. Après ça, moi, je vais appeler les Bon, polices. mec, Van Barbadal, montez avec nous. On va On va aller voir un regarder. peu plus loin, peut-être. On va regarder. On va faire les pièces. On va faire les pièces. Et s'il Moi, vous plaît, on n'est pas certain que le gars qui a foutu la merde ici est parti. Bon, je vais attendre un peu, hein. Voilà bien plaît. Hein. Je vais attendre 5 minutes ici. Hein. Faites-moi un peu un jeu en écouté, s'il vous plaît. Les trois. Caramba! Encore raté. Oh, je crois que c'est largement réussi, moi. Je Et vérifie. Mr. Somerset Ouais, c'est réussi. a Parce que réussi je sais aussi, pas c'est bon. quoi le truc de base en fait. En 20, ok, c'est bon. Bah, c'est écouté, hein. Ouais. Euh, toi, Ni toi, classe. tu as. Donc c'est 20, quoi. Oui. Toi, c'est 20 et. Moi, c'était 75. 75. Écoute, tu entends très bien, Nils. Vous entendez Et tous les non, deux. j'avais réussi aussi en fait. J'ai 70, moi. Ah bah oui. Donc vous entendez tous les trois. Un peu moins Herman parce qu'il est resté au rez-de-chaussée. Mais donc Pepito et Mills, vous entendez des bruits de bagarre venant de l'obscurité au-dessus de vous. Voilà, t'as entendu? Le mec, Van Bardabal, descendez en bas, surveillez la porte, on arrive tout de suite. Mais je laisse Carlos, cela, pas vous inquiéter. il faut, où est, où, comment est-ce qu'on fait pour aller au-dessus, Carlos? J'en sais rien, moi. Et je m'appelle pas Carlos en plus, je m'appelle Pepito, Mais Juan Valdez, tu vas te calmer maintenant, ok? Il faut qu'on trouve comment monter sur l'étage ici, on vient d'entendre du boucan au-dessus, si ça se trouve. Mais bien entendu. Pero, tu vas aller te battre avec eux. Non, je veux pas aller me battre, connard. Je veux juste voir ce qui se passe au-dessus. Eh ben, avance et anda et je te suis. Ok. Donc vous arrivez sur vous montez comment? Vous montez D'abord, on cherche vite. l'escalier, tu vois, je sais pas, jusqu'ici. C'est toujours avec le briquet, hein. Donc c'est ça, j'essaie de trouver parce qu'on connaît pas la maison. Donc Ok, donc vous arrivez au premier et bon, c'est toujours un petit peu le même schéma comme au rez. Donc il y a l'escalier qui monte comme ça, hein, comme ça. Donc là, vous arrivez en fait sur une espèce de palier ici. Donc en fait, l'escalier monte, continue comme ça. Et vous avez une grande, enfin, vous voyez juste, c'est un palier avec des meubles qui sont couverts comme ça. Et ici et là, vous voyez dans la pénombre l'embrasement des fenêtres qui sont fermées par des grosses tentures. Et par ici, il y a un passage et les bruits
de bagarre semble venir de par là. On n'a pas vu. Ah, ok. Et il y a une porte là en fait. Il y a une porte, une double porte qui est ouverte, enfin qui est entrebâillée comme ça. Et maintenant que vous êtes vraiment au même niveau, au même étage, c'est pas vraiment tellement une bagarre, mais c'est plutôt des trucs comme ça quoi. C'est pas une bagarre. Est-ce qu'on voit de quelle porte exactement, enfin de quel endroit exactement ça vient? Non. Parce que, bon, ici, il faut dire que toujours ici, il y a juste la lumière de votre piteux briquet de flamand. C'est un zippo, hein, Menel. Non. Un zippo en 1920, ouais, ouais, je pense, peut-être. Ouais. Ça date de la guerre, non? Je n'en sais rien. Hey, nachos, nachos. je vais... Tu m'attends là, mec. Non. Non, c'est pour 1932. Tu m'attends là, mec. Je vais aller voir de plus près si on peut, si il s'agit bien d'une bagarre ou pas, s'il y a quelque chose à faire ou pas. Si je reviens pas dans 10 minutes. Dans 10 minutes, si tu reviens pas dans 2 minutes, tu veux dire. Mec, je sais ce que je fais, mec. Oui, oui, je sais ce que tu fais. Donc là, j'ai juste l'intention. Je le dis pas à Pépito, mais j'ai juste l'intention de m'approcher discrètement, juste pour voir si j'en sais plus, histoire de capter la source du bruit qu'on entend. Vers la porte, c'est ça quoi. Tu as toujours le briquet, hein. Ouais, ouais. Allumé. Ouais. C'est pas un zippo, hein. Ouais, ouais, j'ai toujours le briquet allumé. Et tu fais ça en furtif, je suppose. Ouais, bien sûr. Ah bah alors tu vas me faire un petit jet en furtivité, donc toi tu es 85, mais c'est plus difficile, ok, bon, on va dire que tu as réussi, je voulais le faire un peu plus difficile parce que bon tu voilà, peux, hein, si pour que les plus, mais oui bah à ce moment-là tu rates, d'accord. Mais disons que non, bah écoute, on avait dit qu'on jouerait avec les règles plus. On jouerait. Yep. Plus serrées. Yep. Donc, tu as le briquet, tu viens d'une pièce avec ton briquet, et donc forcément, ce qui se passe dans la pièce noire derrière, bah tu es comme un phare dans l'obscurité. Mm-hmm. Et au moment où tu t'approches de la porte, tu entends oula, il met le briquet, cassez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Tortillas, viens. Donc là, je me tourne vers Pépito et je l'appelle, tu vois, je demande de venir. Je sors mon flingue et j'avance. Et là, j'illumine, j'attends qu'elle arrive près de moi et je mets mon bras près de l'embrasure de la porte, tu vois, pour illuminer l'intérieur de la pièce. Pour voir ce qui se cache à l'intérieur et qu'est-ce qui était en train de me parler là. Donc vous décidez de rentrer dans la pièce, c'est ça? Ouais. Enfin, pas encore de rentrer, mais d'abord de voir ce qui est en train. Je suis derrière l'autre afro là. Et puis je suis pas encore rentré dans la pièce. J'attends de voir ce qui se passe. Donc, Mills, tu pénètres dans la pièce avec ton briquet. C'est un fameux briquet, nom de Dieu. Et au moment où tu rentres dans la pièce, qui est donc toujours dans le noir, tu vois en fait un type debout, le regard sauvage comme ça, enfin le regard, parce que visiblement, à un œil, il y a juste un gros trou béant en guise d'œil, mm-hmm. alors que l'autre œil, il est complètement exorbité comme ça, il est en train de regarder, et en fait, il tient Toby sous son bras, et lui colle un couteau sous la gorge. Attends, Toby? Oui, Toby. Alderweireld, là, le diable rouge. Hein? Toby, c'est le petit, on est d'accord. Bah oui, c'est le personnage de. Il tient qui sous le bras? Bertrand. Toby, c'est Bertrand. Hein. Ouais, mais Toby, il tient qui sous le bras? J'ai pas compris. Et Toby a l'air inconscient, effectivement.
Un monsieur inconnu avec un œil en moins me tient sous son bras droit. D'accord, c'est lui que qui te tient. Oui, parce okay. que c'est pas genre le monsieur qui tient Toby qui tient quelqu'un. Et alors, au moment où il te voit rentrer, il fait « Faut-il le corps ? Faut-il le corps ? Sinon, je le tue !» Et complètement hystérique. Qu'est-ce que vous faites ? Carlos, regarde, on vient de... Mais maintenant qu'on a découvert, c'est plus la peine de shooter, j'imagine. Carlos, on a trouvé le corps qui va avec l'œil, je crois, du premier, là. Regarde. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, je passe ma tête aussi, et mon flingue. Ah, mais pour moi, dans mon souvenir, t'avais vu la scène. Oui, bah, je te dis que j'ai vu la scène. Attends, ça a éclairé par un briquet, hein, mec. Carlos, je veux dire, tu me demandes pas qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, il y a un type qui est en train de menacer quelqu'un, tu demandes qu'est-ce qui se passe, alors que t'as un flingue en main. Eh oui. Oui, moi, il m'a pas vraiment fait pas paru plus sympa que ça, Toby, moi. À la limite, j'ai pas de flingue, tu vois. Donc, est-ce que Carlos, tu pourrais me donner 2 secondes ton flingue, s'il te plaît? Absolument pas. Pendant qu'un type avec un qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux Toby. Mais c'est Toby. Toby, tu te réveilles avec la tête qui te fait fort mal. Tu as une sensation de quelqu'un qui t'étrangle. En même temps, tu as une sensation d'avoir quelque chose de coupant contre ta gorge. Et tu te retrouves dans cette position de quelqu'un qui te tient par l'arrière. Attends, faut que j'enlève ça de mon esprit. Tu pourrais préciser la prise sur Toby? Ben si, comme ça, quoi. Ah. Moi, je suppose que je suis un peu tout engourdi aussi et tout pas bien. Ouais, t'es un peu... Qu'est-ce qui... Quoi ? Le black ? Qu'est-ce que... j'essaie un peu de bouger, mais bon, je suppose que c'est pas possible. Bah, le gars, il te sert, mais en même temps... Fais-moi un peu un jet d'idées, s'il te plaît. Il me semble que je t'ai con. Oui, ça... Sûrement. Ouais, là. D'ailleurs, c'est raté. Ça, c'est te fait, là. Tu es complètement. Tu es un peu sous le choc parce que tu sais vraiment pas ce qui s'est passé depuis que ton oncle t'a sauté dessus, mais. Tu sens une familiarité. C'est Edouard Rugueux qui... Qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que j'ai mes bras... Est-ce que mes bras sont libres? Oui. Oui, il pendait le long de ton corps, donc... Pas de familiarité, s'il vous plaît. Mais comment est-ce que je suis physiquement? Est-ce que je suis alerte ou est-ce que je suis totalement dans les vapes avec la tête qui tourne pour savoir comment je peux réagir? Tu es assez alerte pour réagir, essaye toujours. Ouais, bah, je vais essayer de faire la prise du faucon qui vole retourner d'un piquet sauté. Oui, bien sûr. Non, qu'est-ce que tu fais concrètement? Bah, vu comment je suis pris, je vais quand même essayer de prendre rapidement ce qui me tient, enfin le danger principal, le couteau, donc essayer de prendre au poignet, le descendre et puis me retourner, essayer de lui foutre une patate en me reculant, quoi. Mais on voit, nous, ça ne nous dit rien, nous, ce gars sans, avec un seul œil, là. Il faut dire que le briquet c'est pas un halogène. C'est sûr. Oui, mais c'est quand même. Et en plus, il faut pas oublier que le gars, il lui manque un œil et toute son côté gauche du visage, il y a du sang séché dessus et il est tout débraillé. Vous voyez pas plus. Et puis en plus, le gars, il est en train de gigoter avec. Maintenant, Tommy dans ses bras. Et à la voix, c'est. Et il a une drôle de voix comme ça. Bah, il n'a plus de dents, c'est malin. Ouais, donc moi, voilà, je réagissais comme ça. Le premier geste, c'est de virer le couteau, me reculer, essayer de lui foutre une mandale. Alors, au moment où tu
tu agrippes la main qui tient le truc coupant, le couteau. En fait, tu sens que... Mais non, je vais la mettre entre mon oreille. Oui. Mais quelle horreur! Qu'est-ce que c'est des mots que j'entends dans mes oreilles? Toujours ces disruptions. Hein. C'est pas grave. J'ai perdu mon fil. Donc au moment où tu prends la main comme ça, ben, en fait, tu sens que la main est... Comment dire, ne fait pas ce qu'elle aurait dû faire. En fait, il tenait le couteau, mais vraiment pas fort, quoi. En fait, au moment où tu prends la main, tu sens vraiment que la personne derrière toi te relâche un petit peu, comme ça, et en fait, tu peux très facilement enlever la main qui tenait le couteau, et l'autre main, elle te tient plus vraiment non plus. Et donc tu te retournes comme ça et en fait tu vois, tu te rends compte que c'est ton oncle Barry. Il s'appelait Barry. Comme ouais, l'éléphant. Merci. Mais qu'est-ce que mon oncle, qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce il faisait noir et Zombie, pourquoi t'es venu ici? Pourquoi? Et alors il s'effondre comme ça, il laisse tomber le couteau, il cache sa tête dans ses mains et il commence à délirer comme ça. Pourquoi t'es venu? Pourquoi on est venu? Je prends le couteau dans une main, mais je le mets dans ma poche arrière. Ok. Qu'il a fait son couteau. Ok. Et je l'en sers et j'essaie de le réconforter. Ah, il part vraiment dans des sanglots comme ça. Je m'en fous, c'est mon oncle. Et qu'est-ce que vous faites les autres? Vous donc vous voyez la scène. Est-ce qu'on le reconnaît, l'oncle, maintenant? Mais non. Coupe ton micro. Ta gueule, putain! Oh. Y'a papa qui bosse là! Merde! Maintenant qu'il avait jeté ses pigeons par la fenêtre... ça, j'en suis pas sûr. Que... Parce que du coup, on a zappé, maintenant c'est trop tard évidemment, mais le Straupol de Brimbourg avait pour majorité un jet de terreur, enfin un jet de santé mentale, quoi. Sur Toby. Lorsqu'il a repris conscience dans son état de victime. Voilà. Ouais, mais Toby, c'est tout. Sauf un vote contre. Et on se demande pas du tout qui a voté contre. Ben, figure-toi, moi j'ai voté oui. C'est Tom en fait. Non, moi, j'ai pas voté. Je le ferai pas. Bref, ouais, donc moi je me mets vraiment autour de lui, j'essaie de réconforter le viens, on sort, viens, on part, c'est bon, il faut plus qu'on. Viens. Donc là, j'essaie de le relever. Les autres, vous faites quoi? On l'aide à relever l'oncle. Que je l'ai reconnu aussi, ou on l'a reconnu maintenant ou pas? Bah oui, mais bon, il fait toujours noir dans la pièce. Vous avez toujours le briquet qui commence à chauffer. Ou si tu perds 5 points de vie. Non, je rigole. Donc, vous faites quoi? Vous restez dans le noir, là, ou... Il n'y a pas une lumière allumée? Il n'y a pas un truc... On redescend, là. Il n'y a pas un interrupteur? Bah, bon. Non, il n'y a pas d'électricité dans le bâtiment, en fait. Vous avez déjà essayé ça avant, hein. Ouais, mais vous vouliez ouvrir la fenêtre, là, pour passer. Ouais. Vous n'êtes pas très concentré ce soir, hein? Voilà, non, moi je vais appeler le flamand, quoi. Avec ta petite musique aussi, ça aiderait aussi, peut-être, à se mettre de l'ambiance. Mais une qui est pas trop chiante et qui se répète pas au bout de 20 secondes, quoi. Avec des paroles, tiens, moyen. Donc moi, je vois où les deux sont avec le briquet, donc je vois qu'il y a une sortie par là, donc je me dirige, enfin, si j'arrive à le soulever facilement, je me dirige avec mon oncle vers la sortie. Moi, j'aide Toby à relever son oncle. Ok. Et moi, j'observe la scène. Ok, donc le gars, il est toujours en train de sangloter, il est complètement hystérique, et voilà, il est en train de pleurnicher, il dit tout le temps,
Pourquoi je lui ai pas cru? Tout était vrai, tout est... Oh mon Dieu, maintenant tu es ici, on est tous perdus. Qu'est-ce que vous faites? Mais on n'arrête pas de te le dire, on le soulève et on se barre. Mais oui, on descend. C'est pas mal le coup de l'ongle incarné. Hein? On descend. Non, ne suis pas. L'ongle incarné? Reviens dans l'histoire, Tom. Reviens dans l'histoire. Tom, reviens. Regarde-moi. Reviens. Ouais. Donc on sort. Donc vous sortez carrément de la maison ou quoi? Vous êtes on n'est pas encore au rez-de-chaussée. Je sais même pas si on arrive à le lever, le type. Oui, hein. Oui, si, il est debout. Donc on descend les escaliers direct. Vous les escaliers, vous êtes vers la sortie et effectivement là. Vous voyez effectivement que c'est effectivement c'est Barry, donc vous aviez déjà tous affaire avec lui, donc vous le reconnaissez, mais il est méconnaissable, il est complètement débraillé. Effectivement, il lui manque un œil et l'orbite a déjà bien, elle a déjà commencé à s'encrouter comme ça. Il a du sang qui lui coule le long du visage. Qui s'est séché aussi dans sa barbe. Enfin, c'est un barbu. Hein, donc. Il a du sang séché dans sa barbe et il y manque plusieurs dents. Visiblement, ça va un peu trop fort là. Je vous que. et visiblement. C'est quoi ce truc? Et tu me rassures, il n'y a pas de copyright dessus, parce que sinon on est à fond dans la merde. Oh, voilà, j'ai mis autre chose. Quand vous l'observez un peu plus de près, vous avez l'impression que les dents qui lui manquent, ils ont été arrachés. Pas de main de maître, quoi. C'est vraiment des moignons cassés comme ça. Et il y a même les gencives qui sont carrément abîmées et qui sont enflées comme ça. Et voilà. Mais au moment où vous sortez, il a l'air de revenir un peu à lui. Ah, je fulmine. Qui t'a fait ça? Mais peu importe, il faut vite qu'on te soigne. Mais c'est... Tout le monde a envie de défoncer sa gueule. Mais allez, viens. Vous, on prend la voiture, on part maintenant à l'hôpital. Et vite. Pendant ce temps-là, Tom... Est-ce que je jouais ou pas? Est-ce que quoi? Est-ce que je jouais? Parce qu'il me semble qu'il y a plus ou moins une heure et demie qui s'est écoulée depuis qu'ils sont montés en haut, quoi. Bah non. Tu étais courageusement en bas. Ouais, je suis pas resté à glander, quoi. Ouais, mais tu m'as rien dit. Ouais, mais c'est ce que j'attendais qu'ils aient été finis avec eux, quoi. Ah bah oui, justement, donc ton personnage a attendu, donc voilà, t'as rien fait, t'as attendu courageusement, comme je disais. Avec mes couilles au fond de ta gorge aussi, quoi. Bah c'est prêt, ça, c'est élégant. Ouais. Bon, pendant ce temps-là, comme il n'y a pas besoin d'électricité pour les téléphones, j'ai téléphoné depuis le téléphone de la baraque à la police. Et le téléphone, il n'y a pas de téléphone. Ils ont pas de téléphone dans une grande baraque comme ça? Ah non, il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'électricité pour le téléphone. Bah, si, hein. Bah, non, hein. Non, pas besoin. Non, mais s'il n'y a pas le téléphone, même s'il n'y a pas d'électricité, tu sais pas le téléphone. Il y a d'office ce téléphone, quoi. Hein. Non, mais Tom, en 1920, tout le monde n'avait pas le téléphone. C'est en Deus Ex Machina, Tom. Quoi? C'est en Deus Ex Machina. Mais c'est pas un Deus Ex Machina. Attends. Vous avez même pas fouillé dans la baraque encore, donc vous savez pas s'il y a un téléphone. Donc ben moi, voilà, je dis il n'y a pas de téléphone. J'ai fouillé le rez-de-chaussée alors. Oui, maintenant tu as fouillé le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est dans le noir, n'oublie pas. Hein. Il y avait juste la hall d'entrée qui était ouverte. Elle est dans ma poche. Prudemment, je suis dans la première pièce et j'ai ouvert les rideaux de la première pièce. Oui. Pour celle tout à gauche. Il n'y a pas de téléphone dans la première pièce. Et j'ai procédé comme ça de pièce en pièce. Ok. Mais il n'y a toujours pas le téléphone, désolé. Bon, je sors mon téléphone cellulaire. Non, on elle se situe où cette maison, plus ou moins, par rapport au reste de la ville?
Oh, dans la baie, enfin, c'est ce qu'on avait dit, c'était à une heure de marche ou de route, oui, voilà. Il n'y a rien aux alentours. Non, non, elle est vraiment toute seule sur la plage, près de la plage, quoi. D'accord. Dans ce cas, à partir d'un moment, quand j'ai fait le tour de la maison, que j'ai rien trouvé en bas, j'appelle en bas, je fais je vais peut-être aller voir le plan de la voiture un petit peu pour aller chercher des secours. Non. Peut-être que ça pourrait aider, hein. Bon, je Non. reviens tout de suite, hein. Tu touches pas à ma voiture. Sinon, t'es mort. Tu n'auras plus Attends, mais besoin il de est toi. con là. Attends, il y a l'oncle qui est en train de mourir là et l'autre il va se barrer. Je vais chercher des secours, j'arrive tout de suite. Non, mais de toute façon, il sait pas faire démarrer ma voiture quand même, si? Ah, Oh. ah, Mais qu'est-ce que c'était j'ai comme ma bagnole, là, skill? quand même, pour toi. Qu'est-ce qu'il a en conduite? Je suis très éduqué. J'ai sans doute lu des bouquins sur le sujet. Ouais, mais t'as seulement 20% en conduire voiture, donc. Ah, c'est pas dire que c'est impossible. Non, je rigole. Parce que Pépito aussi, donc c'est pas grave. Oui, mais moi, c'est ma voiture. Bon. Mais moi, ça suffit pour passer le permis au Mexique. Exactamente. toute façon, on fait pas des jets pour conduire quelque part. Donc voilà. Non, mais je te demande pas s'il sait conduire ma voiture, est-ce qu'il sait la démarrer? Y a pas des clés, c'est ma bagnole quand même. À l'époque, c'est la manivelle, non? Oui, peu importe. Est-ce que j'ai les clés de l'oncle? Est-ce que l'oncle, il y a des poches où je sens les clés Les clés de quoi? de voiture, tiens, parce qu'il y a sa bagnole qui est dehors. Mais attends, s'il y a des clés de voiture à cette époque-là, alors le flamand s'est embarqué de la mienne, hein? Ouais, 1920, on n'est pas en 1830, hein. Justement, c'est la question que je pose à Tom. Est-ce qu'il y a des clés de voiture? Si oui, le flamand ne s'est pas À embarqué de moins ma que j'arrive voiture. à traficoter ta caisse. Une question. Ouais, ça va. Oui, mais alors, à ce moment-là, il y a toute une partie d'adresse qui va se jouer, quoi. Ouais, c'est genre mécanique, repair ou un truc comme ça, tu sais. On a tous 10% là-dedans. Bon, bref, on avance. Ben oui, mais attends, parce que Tom est en train de se renseigner pour savoir s'il y a des clés de bagnole. On va dire il y en avait effectivement. Donc, il s'est pas parti avec la bagnole. Est-ce que j'ai pas trouvé sous les paillassons de la maison ou quoi les clés de la bagnole de l'autre bagnole qui était dehors? Non. J'ai rien trouvé du tout d'intéressant dans le Non, rez-de-chaussée. tu vas pas looter ce soir, non. Ah. Bon, je rentre à la maison, je dis Manel Pepito, tu n'aurais pas les clés de la voiture pour que j'aille chercher des secours? Peut-être là ça pourrait vous aider, peut-être. Ça va aller, on arrive. Tu as perdu ton accent au cours de route, peut-être. Tu es fort élevé, j'entends ça à ta voix. On arrive, j'ai dit. Vas-y, Tom, entre-temps, on est déjà pas en bas là. Si, Je si, si, comprends vous plus. êtes en bas, vous êtes dans le hall. Parce que là, on trace vers la voiture, hein, on va pas s'amuser à faire un jeu de marelle là. Et si, je pense qu'il faut aller à l'hôpital avec ton oncle. Y a pas qu'on pense, on y va, point barre. Maintenant, on se grouille. Ah C'est ben parti. voilà, vous avez mis du temps. Qu'est-ce que c'est ça, peut-être? Ah, j'ai voulu connaître monsieur Clone Hill. Je sais plus si c'est Ouais, Barry ou l'autre. c'est bien, moi je le pousse comme ça, je m'en fous, je traîne l'oncle dehors pour qu'on aille plus vite. Vous étiez donc tous encore en train de descendre ce truc et vous vous dirigez vers la porte. On est dans le hall, t'as dit, on est donc en bas. Ouais. Et Au si. moment où vous vous dirigez vers la porte, celle-ci se renferme. Doucement, un peu plus vite. Et en même temps. Moi, j'avais la porte toujours ouverte. Hein. J'étais plus ou moins dans l'hall d'entrée à ce moment-là. Oui, mais bon, je te dis maintenant, vous vous retournez, vous voulez tous sortir, mais la porte commence à se fermer. Je Et. retiens la porte. Et tu la retiens comment? Bah, j'étais resté dans l'embrasure. Laisse-le faire, Tout d'un coup, comme ça, par pur hasard. Mais gars, il s'est téléporté dans la maison, c'est génial, quoi! Je ne me suis pas téléporté, j'étais là, j'attendais, je criais à Pépito les clés de la bagnole, donc j'étais encore Et regarde logiquement bien, tout près de la porte et claque d'entrée. dans l'embrasure.
Ouais, mais je veux dire, t'as pas avancé jusqu'au pied de l'escalier Il va peut-être lui arriver quelque chose. Donc, Tom, il est dans l'embrasure. Qu'est-ce qui lui arrive s'il est dans l'embrasure? Oui, qu'est-ce qu'il est dans l'embrasure et par le chien, non? Je suis prêt à assumer les conséquences, il n'y a pas de souci. En fait, tu te tenais effectivement dans l'embrasure et. Mais clac. Et en fait, tu te tenais comme ça sur le linteau de la porte. Et les autres, ils voient ça pendant qu'ils se dirigent vers la porte. Quand tu vois pas que la porte se ferme, et à un moment, tu as en même temps quelque chose qui te pousse dans le dos, c'est la porte, et tu t'accroches encore au truc, et clac, la porte se ferme. J'ai pas un jet ou quoi? Non. Tu sais plus faire de jet, t'as plus de main. Attends, ça c'est du bullshit quoi. Si je fais pas de jet, là, c'est du bullshit. Fais-moi un peu un jet en dextérité. En dextérité? Ouais. J'ai pas choisi celui où j'avais juste au bon moment. Je fais un jet en terreur, moi. Il va avoir peur de sa propre main après. Combien en dextérité? Ah, j'ai 60 quand même, c'est pas mal. Non, t'as 55. Non, j'ai 60. Bah, d'après moi, t'as 55. Mais non, ça c'est ma fiche. La dernière fiche que je t'ai envoyée, je t'ai mis 60. J'avais retiré des points quelque part, j'en avais mis là. D'accord, ça va. 55. Ouais, mais tu ne voyais pas bien, donc. Le gars, quoi. Ah, c'est le maître de jeu, hein. Je peux juste manger un piano sur la gueule, quoi. Il faut faire moins que ce qu'on a hein, sur sa fiche, normalement. Exactement le cas. Non, on va dire que comme il tournait le dos à la porte, il n'a pas vu la porte qui se fermait de façon silencieuse et quasiment surnaturelle. Et donc tu es poussé vers l'intérieur, mais il y a un bout de tes deux doigts comme ça qui est happé par la porte et qui est pincé par la porte. Donc tu perds 2 points de vie. C'est quoi ce bullshit, quoi, je te jure. Tu perds 1 point de vie. Attends, je réussis mon jet, je perds 2 points de vie, quoi. Alors que je me suis fait croiser un doigt, quoi. Si, je l'ai réussi. Ah, quelqu'un qui a dit un jour... Si, j'ai fait 55 et j'ai 60. J'ai réussi mon jet. Non. Bah si. Non, parce que c'était difficile, parce que tu n'as pas vu la porte. Donc en fait, c'est des conditions difficiles. Donc c'était pas facile, c'était difficile. Donc en fait, c'était pas sur 60, mais c'est danger se porte sur 30. Parce que écoute, t'as perdu, c'est tout. Oui, c'est pas grave. Comment t'as pas l'habitude ou quoi? Regarde. Non mais j'ai rien contre ça, mais ça sent. Ça sent le bullshit à crever. C'est tout ce que j'ai dit. Non, moi j'ai trop. Moi, il y a pas de bullshit. Moi, j'ai tout compris. Et putain, mais arrêtez d'envoyer des messages sur le chat. À chaque fois, ça fait ding et tout le monde l'entend, quoi. Ouais, c'est marrant. Bande de boulets, quoi. C'est pas moi. S'il te plaît, pour arrêter de causer, il envoie 3 messages, quoi. Tu perds un point de vie. Oui. Et c'est noté. Donc les autres, vous avez vu la même scène, donc en fait la porte qui se ferme d'abord tout lentement, et puis à un moment comme ça clap et qui pousse Herman à l'intérieur. Donc du coup, il fait un peu plus sombre dans la pièce, mais en même temps, vous voyez que de la pièce où Herman avait ouvert les rideaux, malgré le fait que les rideaux sont toujours ouverts, vous voyez une espèce d'obscurité qui arrive. Et Toby, toi tu reconnais ça parce que tu as expérimenté plus ou moins le même phénomène la veille. Qu'est-ce que vous faites? Attends, c'est déjà quoi, Herman, toi t'es là, aïe. Attends, c'est une obscurité qui arrive partout dans toute la maison ou il y a un endroit qui s'assombrit et qui se rapproche de nous? Non, c'est partout. Enfin, c'est partout où il y a de la clarté, ça commence à s'obscurcir. Ah non, c'est reparti. Et c'est reparti. Effectivement, il y a aussi Barry qui est en train de dire « Oh non, ça recommence !»« Ah, que de faire, Dom ?»« Ah, que de faire, Dom ?» Ça, c'était quoi, hein? C'était la police qui l'a filmé, comme ça, j'ai pas compris. Monsieur Sommelsay, peut-être l'a m'obliqué, mais... On l'a même obliqué, monsieur Sommelsay. Je fonce contre la porte et j'essaie de taper dessus, de tirer la clinche, de peu importe, de
Je tape à fond sur la porte. Entre-temps, j'ai balancé le briquet au flamand. Ok. Alors, Toby, donc toi, tu te rues sur la porte et en fait, c'est vraiment, vraiment une sensation bizarre. Tu as l'impression que la porte, c'est devenu un. Elle est en un morceau, tu vois. Tu as les deux bâtons de la porte. Normalement, il y a un tout petit peu de jeu. C'est comme si la porte entière était taillée en pierre, ainsi que aussi la clenche. Tu sais même pas la faire aller. C'est comme si toute la porte plus la clenche, c'était en un bloc de pierre massif. Il faut sortir, là. Il faut sortir. On va crever. Tu vois pas l'ombre partout. Mais qu'est-ce qui va se passer de l'ombre? Faut qu'on sorte. Pas les questions. Tu sors. Faut sortir. Peu importe. Maintenant. Je rappelle que j'ai ouvert tous les rideaux des pièces à côté. Oui, mais c'est comme je disais. Vous voyez dans la pièce à côté où la lumière rentrait, ça commence à s'obscurcir aussi. Donc en fait, il commence à faire vraiment très sombre. Mills, tu viens de jeter le briquet au flamand. Il y a donc plus de sources lumineuses. Il commence à faire de plus en plus sombre. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me colle contre le mur. Vu qu'on était en train de descendre les marches d'escalier, tu vois, je me colle contre le mur, quoi, de dos au mur. Vu qu'on ne voit plus très bien et que j'ai pas envie que ça me tombe par derrière. Ok. Moi, je trouve que l'oncle commence à me peser un peu lourd parce que Toby ne m'aide plus du tout à le porter. Mmh. Il y avait un fauteuil quelque part. Je vais essayer de l'asseoir et puis. Je vous rappelle la pièce dont vous êtes. Donc c'est le hall et visiblement, il y a deux lits de camp. Il y a une table où vous aviez pris des papiers. Hein. Il y a des lanternes, des canettes avec de la bouffe. Je dépose l'oncle dans un lit de camp là. Mm-hmm. Et tant qu'on voit encore un peu plus ou moins, j'essaye de prendre une lanterne et de la démarrer. Ok, donc c'est une lanterne à claquer quoi, comme ça. Mm-hmm. Il y en a deux trois. On en allume un. Pas trop tôt parce que au moment où tu allumes le quinquet, la dernière lueur qui venait de la pièce où vous aviez ouvert les rideaux, c'est l'obscurité et c'est tout sombre dans la maison. Attends, mais il a réussi à allumer une lanterne. Il a réussi à allumer une lanterne, mais mis à part ça, toute la lueur du jour. Parce que vous êtes arrivé au matin, il devrait faire jour, mais en fait, maintenant, il fait tout sombre dehors. Mis à part la lueur du quinquet, il n'y a plus aucune lumière qui a dans la maison. J'ai allumé mon briquet aussi. Tant bien que mal avec mon doigt qui s'était fait coincer. Oui, c'est pas grave parce que c'était en fait juste. Le majeur et l'annulaire qui étaient... Oui, c'est le majeur et l'annulaire qui étaient un peu pincés. Enfin, un peu pincés. Ils te manquent comme les deux premières phalanges. Oui, c'est... Hey. Faut déconner, c'est pas une guillotine, hein. C'est une porte. Hein. Oui, mais la porte... C'est une porte guillotine. Pas dit, ça. La porte, elle est bizarre, maintenant. Hein. Elle est... Ça, tu le sais pas, parce que c'est Toby qui l'expérimente, mais voilà, quoi. Je veux dire que j'ai deux doigts qui pissent le sang. Parce que j'ai une porte qui m'a claqué là. T'as les deux premières phalanges comme ça, bien écrasées, ça fait un mal de chien. Voilà. Okay. Mais t'as pas de d'esprit. J'ai du neurophène, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas à portée de la faible lumière une... Je sais pas, une... Belle, toi, tous les trucs pour, pour un tisonnier, tous les trucs que tu as dans les cheminées, pour défoncer une fenêtre ou. Mais Toby, on peut sortir la baraque de toutes les forces possibles. On n'est pas tous les deux en même temps. Hein. Tu vois ce que je veux faire? Donc, avoir quelque chose de contendant et défoncer porte, fenêtre, n'importe, je veux sortir par la violence. Il n'y a pas de tisonnier, mais disons que. Il y a des chaises, il y a une chaise, il y a une chaise par exemple. On a accès à une fenêtre. Tabouret. Est-ce que la fenêtre, on la voit encore?
En fait, de part et d'autre, en fait, je fais un petit, petite précision ici. Si ici c'est la porte, ok. De part et d'autre, il y avait une fenêtre, mais donc, oui, enfin, là, de part et d'autre, il y avait une fenêtre et Herman les avait ouverts aussi. Non, ceux-là, il ne les avait pas ouverts, en fait, parce qu'il y avait assez de lumière, parce que la porte était ouverte. Donc, en Ah fait, bon? Herman avait juste ouvert les rideaux dans les autres pièces, quoi. Ben là, Pas... j'ai écrit d'amnésie comme ça, je pensais avoir tout ouvert, quoi. Non, ici, tu n'avais pas ouvert Ah parce oui. que parce qu'il y avait la porte qui était ouverte et il faisait assez clair à ce moment-là. Ah oui. Comme tu n'avais pas précisé. C'est plus chic, quoi. Je te jure. Pas Ben grave. non. Oui, donc, mais les fenêtres, est-ce que c'est des fenêtres grillagées renforcées ou c'est de la biaise vitre? C'est des vitres. Enfin, c'est un panneau comme ça, comme dans les maisons, enfin, ce style-là, Oui, quoi. et Donc, de l'autre côté, ça n'avait pas été barricadé? de l'autre côté, il y a toujours les volets, en fait. Mais bon, c'est des volets vénitiens comme ça. Donc, avant, ça laissait un peu rentrer la lumière, mais maintenant. Tout est sombre dehors, vous voyez pas vers le dehors, quoi. Ouais, mais ça, je m'en fous. Moi, je vais essayer de péter la vitre et puis péter tout. Moi, Alors tu... personnellement, je suis avec une lampe allumée, et il y en a toujours en deux, trois, c'est ça que tu m'avais dit Oui, deux, trois. il y en a trois, en fait, Alors, je vais allumer les autres, parce que, ouais. Ouais. bon, je m'assieds, je suis près de l'oncle, et alors, je commence à lui parler pour voir un petit peu ce qu'il fout là. Alors, enfin, on va faire vite, vite, Toby. Donc, tu te saisis bon, on va dire, il y avait un petit tabouret comme ça. Tu te saisis du tabouret. Et au moment où tu tapes sur la vitre, ben, à nouveau, tu vois que c'est du verre et du bois, mais c'est comme si tu avais tapé sur un truc en marbre, quoi, ou en granit. Donc, t'as vraiment boum, comme ça. Le tabouret qui... Ouais, mais j'enrage, je me déchaîne. Bah tu casses le tabouret alors. Bah tu casses le tabouret. Tu casses le tabouret. Fais-moi peut-être quand même un jet En cassage de tabouret. Non, parce que enfin tu pourrais quand même te faire mal. Ouais, attends, on va dire que c'est comme ça. Bah, fais-moi un peu un jet sur ta force. Et tu sais plus combien a été ta force. Ouais, j'ai réussi ça. Ouais, tu réussis à juste casser le tabouret, mais tu te fais pas mal. Non! Non, pas une deuxième fois, pas une deuxième fois, pas une deuxième fois. Oh, comme il vit ça. Puis là, je vais mettre toi au pied des escaliers et je commence à faire comme ça. Non, 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 Ok. non, non. Pepito, toi, tu essayes d'interroger le L'oncle, hein, Barry. Barry. Et donc, le pleurnichage s'est arrêté dès que la porte s'était fermée. Et maintenant, le gars, il est comme ça, quoi. Il regarde avec son œil exorbité. Il regarde partout autour de lui. Et tu entends, ça va arriver. Il va arriver. Barry, Ah, il... qu'est-ce qui prend Barry? Je ne te connais plus. Enfin, je veux dire, je ne te reconnais plus dans ton comportement, parce que Pépito, physiquement, il y a longtemps que je ne te reconnais plus. Pépito, qu'est-ce que vous faites là? Pépito, Nous avions rendez-vous, je vous ai cherché, moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? il fallait pas venir, il fallait pas venir dans cet endroit. Tout était, il t'attrape comme ça par ton poncho, et tout était vrai, Je ne tout suis pas était en poncho, d'ailleurs. vrai. Hein? Je ne suis pas en poncho, hein. Ça, c'est juste pour rappeler aux gens que je suis mexicain, mais c'est je ne suis pas habillé comme ça. Il t'attrape par ton costard. Voilà, il m'attrape par mon costard. J'ai tâti. Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous avez amené Toby? Pourquoi mon neveu? On va s'en sortir. Il n'a amené personne, moi. Et Vous Toby était déjà là n'avez quand pas on est arrivé. d'idée. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu le journal? Le journal, il est où? Où est le journal? Le journal. Alors il commence à chercher sur la table. Quelqu'un a fouillé. Où est le journal?
Il est au journal. Je sais plus, c'est pas moi. Je crois que c'était toi, c'est moi. S'il parle des notes qui étaient en bas, c'est moi qui lisais. Okay. C'est ces notes-là qu'on parle? Oui. Moi, je suis là avec vous, donc j'ai entendu. Je fais, mec, vous parlez de ces bouts de papier-là, mec? Oui, 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 le journal, vous l'avez lu? On n'a pas vraiment eu le temps, mec. C'était un petit peu la galère là. On a surtout vu le sang au premier, mais on n'a pas pris le temps de lire tous les documents. Vous semblez horrifié. Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est à ce moment-là que vous entendez une espèce de glissement qui semble venir de plusieurs endroits à la fois comme ça. Ça semble de venir de en fait, de derrière les murs de la pièce à côté, c'est une espèce de rampement, de glissement. Et quand il entend ce bruit, il pousse un cri vraiment de ah! Et puis, ils arrivent! Ah! Et il tombe dans les pommes.